Bonjour Madame la Présidente, bonjour à tous, merci d'être là. Je suis professeur d'économie, bientôt émérite. C'est ce que tout le monde croit être un super professeur, en fait c'est un sous-professeur. Donc je m'occupe effectivement depuis les années 80 de santé et de médicaments, qui est un petit peu ma spécialité. Je suis aussi consultant pour tout le monde. Que ce soit le public, le privé, je ne fais aucune guerre de religion et je donne mes avis à ceux qui me les demandent. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui du prix du médicament. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui fait même... C'est un sujet qui rentre dans l'agenda politique, ce qui n'était pas le cas. Jusqu'à présent, on avait plutôt... c'est un sujet assez technique, assez complexe. Et il rentre dans l'agenda politique en dépit de sa complexité et malgré sa complexité. Ce qui, évidemment, ne facilite pas les choses. Ça a toujours été un problème. Alors, dans notre monde, le monde des économies de la santé, etc., ça a toujours été un problème. On ne découvre pas le problème du prix du médicament. Il a toujours été posé depuis... et même, si vous voulez, les écarts qu'on voit aujourd'hui ne sont pas complètement inhabituels. Je me souviens, dans les années 90, par exemple, quand les statines sont arrivées, à l'époque, le prix de traitement journalier de la première statine, c'était environ 10 francs par jour, c'était en francs, et ça remplaçait des traitements des fibrates qui étaient à 1 franc par jour. Ou 1 franc 25 par jour. Il y a déjà eu, si vous voulez, dans l'histoire, des chocs de prix de 1 à 10. Bon, mais c'était dans une enveloppe d'abord croissante. On était en pleine période de prospérité relative. Et donc, ça ne posait a priori... Ça posait des problèmes internes, mais ça ne... Et d'ailleurs, à cette époque, on a commencé à se poser les questions de l'évaluation économique. On a été à Dauphine avec professeur Lévy, les pionniers de l'évaluation économique en santé. On a fait les premières études dans notre groupe. Donc ça a amené une réflexion, mais plus technique, plus économique, plus institutionnelle que politique et grand public. Au fond, l'idée, c'était de faire en sorte que les patients s'aperçoivent de rien. C'est-à-dire qu'au fond, on arrive à le financer et que ça ne soulève précisément... Le but, c'était que ça ne soulève pas un problème politique, que ça soit géré de manière économique, administrative, et de fait que les patients aient accès au traitement sans que ça soulève le moindre problème. On a créé la Sécu pour ne plus avoir de problèmes de santé, pour ne plus avoir de problèmes économiques, et ce serait un échec, quelque part, de reposer la question économique de la santé alors qu'elle a été supposée résolue, une bonne fois pour toutes, par la création de la Sécu. Voilà, donc c'était un petit peu ça, l'idée. Alors, ce qui est aussi frappant quand on regarde ça, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Hein, le prix du médicament varie énormément d'un pays à l'autre. Il varie en niveau, il varie en méthode de fixation. Peut-être c'est assez rare de trouver un bien qui est aussi national, si vous voulez, dans les méthodes, dans ces administrations, il y a des traditions, dans ses prix et dans sa gestion administrative. Les prix de marché existent. Il n'y a pas d'empêchement technique à allouer le médicament par le marché. Hein. C'est uniquement un problème éthique et moral et politique. C'est-à-dire que le marché peut fonctionner. C'est un bien comme les autres. Les consommateurs peuvent l'acheter. Ils peuvent se faire conseiller par un médecin, prescrire le médicament. Ceci n'a... Et d'ailleurs, des pays où le prix est libre. Il y a des pays aux États-Unis où le prix est libre. Il y a des pays en France hein, où le prix est libre. Tous les prix qui sont financés en hôpital sur les DRG, enfin sur les GHM, sont libres, sont négociés. Donc, dès lors qu'il y a un acteur avisé. Alors, le problème, c'est que effectivement, il y a une forte asymétrie d'information. Et donc, il faut que l'acheteur soit un peu avisé, ce qui n'est pas le cas du grand public, mais ce qui peut être le cas des acheteurs hospitaliers. Il faut aussi, bien sûr, faire en sorte qu'il y ait une équité, une égalité dans l'accès aux soins. C'est un bien qui est soumis à une exigence d'équité. Il n'y a pas d'équité dans le logement. Des gens qui peuvent habiter le 16e, d'autres en banlieue. Des gens qui peuvent avoir des grosses voitures, d'autres petites voitures. Des gens qui peuvent être habillés sur mesure chez Armani et d'autres, etc. Sur le médicament, on veut que tout le monde soit pareil. On veut pas que, disons, sur la santé en général et sur le médicament en particulier, qui est un bien industriel, hein, produit par de manière industrielle, on veut pas qu'il y ait ce genre d'inéquité. Voilà. Donc, ça donne des prix régulés. Donc, des prix régulés dans la plupart des pays du monde, à part quelques-uns. Mais dès lors qu'on rentre dans des prix régulés, on pose des questions institutionnelles, ça varie d'un pays à l'autre, les méthodes peuvent être arbitraires, peuvent être plus ou moins bonnes, et de toute manière, les prix seront des prix politiques au sens où ils résultent de mécanismes institutionnels et non pas des libres forces du marché. Voilà, donc ça c'était pour situer, pour commencer, disons.
si j'arrive à passer la slide. Alors, bon, je ne vais pas venir sur un prix, donc ça sera intéressant, mais on ne sait pas trop ce qu'est un prix. En économie, la notion de prix est extrêmement complexe, extrêmement complexe. C'est un des concepts les plus, que j'aime souvent mes étudiants. Il n'y a pas de complexe plus, de concept plus compliqué que le prix, alors qu'on le manipule tous les jours. Parce que ça fait plusieurs choses, un prix. C'est un élément d'information. Le prix d'une Rolls Royce est très cher. Vous n'avez pas acheté une Rolls Royce. Mais simplement, ça vous renseigne sur, disons, la quantité de... Alors, après, de quoi ? La quantité de travail, la quantité de la sophistication des matériaux, enfin bon. Donc c'est un élément d'information sur la désirabilité ou sur la technicité du bien. C'est un instrument d'échange et c'est un instrument de répartition des gains de l'échange parce qu'il peut y avoir des gains. Tout le monde est d'accord pour faire la transaction, mais je gagne un peu plus que toi parce que voilà, j'ai vendu mon appartement un peu plus mieux que je pensais. Voilà. L'autre, il a payé un peu plus cher qu'il le pensait. On est d'accord, hein, ouais. Mais il y a quand même une répartition qui n'est pas nécessairement égale des gains de l'échange. À partir du moment, nous, pour l'économie, c'est à partir du moment où il y a consentement, donc, bon, il y a consentement, on n'exige pas une répartition égale, on exige le consentement. Donc, bien sûr, disons que la transaction ne soit pas forcée, toute transaction forcée échappe, bien sûr, à la rationalité économique. Alors, je vais deux remarques sur la notion du juste prix, qui est une notion qui nous est étrangère. Les économistes n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas parler de juste prix. C'est une notion très populaire. Les émissions de télé qui s'appellent comme ça, mais nous, on n'aime pas du tout parler du juste prix, parce que ça véhicule, justement, déjà, le prix, c'est compliqué. Si on rajoute une notion de justice à un concept compliqué... Bon. Parce qu'il me semble quand même qu'il y a deux notions de juste prix, et je voudrais insister là-dessus, parce qu'il me semble que c'est au cœur un peu de notre débat. En fouillant dans la théorie économique, on peut trouver, si vous voulez, deux conceptions. L'une conception qui serait le juste prix défini par l'adéquation entre le prix et le contenu du bien. Dans ce cas-là, si vous voulez, il y aurait... Alors, certains théoriciens ont systématisé ça avec la distinction prix-valeur. Il y a dans le médicament une valeur. C'est une propriété du médicament, c'est intrinsèque. Il y a dans le médicament une valeur, de même qu'il a des propriétés physico-chimiques, il a sa valeur. C'est une espèce d'âme du produit qu'il faut extraire, en quelque sorte, par l'analyse, qui ne se révèle pas, qui est une espèce de vérité. Et encore une fois, c'est intrinsèque, c'est quelque chose, c'est une expression presque... presque métaphysique. C'est un peu métaphysique, hein, ce concept de valeur. Ce qu'on constate dans la vie réelle, c'est des prix qui sont des expressions dégradées de la valeur. Des expressions, il y a d'une part la valeur, et puis il y a d'autre part son expression qui varie au jour le jour, en fonction de spéculation, de l'offre, de la demande, qui gravite, comme nous disons, autour de la valeur. Il y a la valeur vraie, et puis il y a le prix, qui est l'expression temporaire, immanente, mais provisoire de cette valeur, qui est soumise aux aléas de la météo économique, si je veux dire. Il y a une vérité, et donc le juste prix, là, s'oppose à l'erreur. Hein. Il y a un vrai prix, et puis il y a des prix apparents qui, encore une fois, sont soumis à ces fluctuations institutionnelles. Et puis il y a une autre conception, peut-être plus contemporaine, du juste prix, qui est une conception contractuelle. C'est-à-dire le juste prix, c'est le prix qu'on est d'accord pour payer. Voilà. Et finalement, dès lors qu'on a un acheteur et un vendeur avisés, qui sont d'accord sur un certain nombre de choses, l'information est essentielle, qui ont des alternatives, ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas dans une transaction forcée, qui sont crédibles, s'ils disent « j'achète pas, c'est crédible », donc l'autre fait attention, qui ne sont pas trop impatients, qui ont le temps, ils ne sont pas forcés à prendre n'importe quoi sous prétexte que le temps est... Donc, l'impatience est quelque chose qui peut précisément conduire à cet écart. Voilà. Et dès lors que tout ça, que le bargaining, ce qu'on appelle le bargaining problem, hein, qui a donné un prix Nobel d'économie au théoricien du bargaining problem, eh bien, dès lors que ces conditions d'un bargaining juste sont réunies, le prix est juste. Le prix est juste, non pas par le contenu, mais par son mode de fixation des prix. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est un petit peu là-dedans. Le CEPS dit « le prix est juste parce que je le fixe de manière juste ».
Et les associations, etc., disent le prix est juste, pas du tout, parce qu'il est excessif par rapport à la valeur ou par rapport à un contenu un petit peu métaphysique, par exemple son coût de production. Il est à l'intérieur de la matière première, et donc c'est ce coût de production qui devrait être la vraie valeur, et c'est les laboratoires pharmaceutiques qui spéculent et qui jouent sur l'attente pour entraîner un écart systématique entre le prix et la valeur. Et donc nous sommes un petit peu confrontés à cette contradiction. Le prix est négocié et l'État va se dire, et l'État, le CEPS ne... Je parle souvent avec le président du CEPS, qui est un peu mari de l'histoire, parce qu'il prend les attaques actuelles pour lui. Enfin, il considère que c'est plus des attaques contre l'État que contre l'industrie. À la limite, l'industrie gagne de l'argent, mais on n'a jamais prétendu qu'elle ferait autre chose. En revanche, c'est l'État qui est complice, qui, dans le secret des délibérations, il n'y a peut-être pas des enveloppes qui passent sous la table, mais en tout cas, il y a une captation intellectuelle du régulateur par le régulé, qui fait que, bon, il se soumet à sa volonté. Donc il y a cette idée. Voilà, alors le CEPS dit moi j'applique la loi, je fais le prix et c'est équitable, je suis d'accord pour payer, ils sont d'accord, on a bien regardé, on a super évalué, il n'y a pas un bien, vous avez eu tout à l'heure sur les NIB, vous n'avez pas eu, il n'y a pas un bien qui soit aussi évalué en France, hein, enfin dans le monde. Quel est le bien qui est soumis à une autorisation de mise sur le marché d'abord. Ne serait-ce que l'AMM, c'est extrêmement rare. On peut tout au plus, les fabricants s'auto-déclarent conformes à la loi. Mais qu'il y ait une autorisation explicite, ex ante, de mise sur le marché, c'est extrêmement rare. Il n'y a pas deux biens qui aient cette exigence. Et puis bon, c'est très surveillé, c'est évalué, on fait des essais, il faut 10 ans pour le mettre sur le marché. Quel est le bien qui met 10 ans? Enfin, ça n'existe pas. Donc il y a une hyper focalisation sur ça, pour de bonnes raisons. Hein. Et puis, de l'autre côté, donc on dit, voilà, on a pris toutes les précautions, on a des études, on a fait même des études médico-économiques maintenant, on ne les faisait pas avant, et donc on est à peu près sûr de notre coût, le laboratoire est d'accord, on lui baisse le prix par rapport à ses prétentions, enfin bon, il est quand même d'accord, et puis nous, bon, on va s'arranger, on va le payer parce qu'il y a un service médical rendu important. Voilà. Donc finalement, il y a une transaction, et cette transaction étant faire, elle est d'autant plus faire que... Il y a des moments où elle n'a pas été faire hein, dans l'histoire de France. Il ne faut pas remonter très loin. Avant 93 et 94, les négociations étaient plus complexes. Alors, pour le coup, elles étaient obscures, puisqu'il y avait à l'époque, je vous le rappelle, si vous n'en souvenez pas, mais une distinction un peu bizarre entre un prix technique qui était fixé par l'administration et un prix économique qui était négocié directement par les cabinets du ministre. Et c'est Jean Marmot qui, en 1993, a mis fin à ça avec des expression trop forte pour que je vous les rapporte ici, mais pour voulait précisément dépolitiser la fixation du prix du médicament et la fixer sur des règles claires, appuyées sur des décrets, sur des textes qui formalisaient la prise en charge du médicament, de manière à ce qu'il y ait, disons, une méthodologie et une instance interministérielle indépendante pour fixer le prix. Donc on l'a oublié aujourd'hui, mais le CEPS est le produit, alors c'est même paradoxal de l'attaquer sur ce point-là, parce qu'il a été fait précisément pour mettre un peu de rigueur et d'ordre dans quelque chose qui était négocié et qui fait de fait que la carte des implantations des industries pharmaceutiques en France a beaucoup ressemblé à la géographie des circonscriptions des hommes politiques influents, notamment des ministres de la Santé. Donc je referme la parenthèse, mais c'est une réalité que tout le monde connaît, qu'on ne dit pas beaucoup, mais et si je voulais mettre une pique de plus... La pire période a été la période où les deux grands groupes français étaient nationalisés. Sanofi d'un côté, Rond-Poulenc d'un côté et Sanofi de l'autre. Et donc il y avait une espèce de consanguinité entre les intérêts de la République et les intérêts de ces groupes. Du fait de la nationalisation, et l'État se sentait obligé de les protéger. De les protéger avec des pratiques qu'aujourd'hui on hurlerait, par exemple la pratique du co-marketing ou des co-promotions ou des licences données quasiment obligatoires. C'est-à-dire que certains groupes américains étaient obligés de donner des licences à des laboratoires français pour que les laboratoires français aient des choses à vendre, hein, en doublant bien sûr, en quadruplant, en quintuplant la pression commerciale. Tout ça on a oublié, tout ça on vit dans l'immédiateté, et tout ça on est un peu naïf. Hein. L'opinion publique est un peu naïve sur ces questions-là. Voilà, donc voilà, je passe sur ces questions, on y reviendra si vous voulez.
Bon, il y a eu en France des essais. On n'est pas. Alors, ça, c'est une petite remarque là, sur deux, trois modalités. Je passe une autre partie, deux, trois slides sur les modalités de fixation du prix du médicament. On dit aujourd'hui, oh, c'est dégueulasse, ça coûte 100 $ à fabriquer, c'est vendu 41 000 $, c'est dégueulasse. Bon, d'abord, 100 $, on ne sait pas, c'est un truc, un buzz qui auto-circule, mais il n'y a pas de source. J'ai vérifié, il n'y a pas de source. Donc, plutôt, ça se source au même. Il n'y a pas d'origine, enfin, peu importe. Vous verrez tout à l'heure quelques slides sur la profitabilité des labos. Des slides inédites. J'ai deux slides inédites. Entre 67 et 80, donc, il y a eu une période assez courte où il y avait. Précisément, on faisait ça. Il y avait ce qu'on appelle le système de la grille des prix. C'était un conseiller d'État qui s'appelait Coudurier, qui doit aujourd'hui avoir 98 ans ou 99 ans. Je crois qu'il est toujours en vie. Enfin, il l'était aux dernières nouvelles, comme je me suis intéressé à la question. Et donc, cette commission au Couturier, qui était la première fois qu'on essayait de formaliser un peu le prix du médicament et qu'on essayait un petit peu de mettre... D'abord, c'était la première fois qu'on remboursait le prix du médicament. Jusqu'à cette époque-là, il y avait un tarif de responsabilité et un prix de marché. Donc, en fait, l'État fixait un prix... Il y avait des déconnexions entre le prix payé et le prix remboursé. Et donc, c'est dans les années 60 qu'on a décidé que le prix remboursé serait le prix de marché, qu'on n'avait pas le droit de vendre un médicament au-dessus du prix du tarif de responsabilité. Bon, ce qui est encore le cas pour les DM, pour certains DM. Voilà, donc, cette commission avait deux sections, une section médicale et une section économique. Elle réunissait en gros le CEPS et l'HAS, et la transparence, dans une seule entité. Et il y avait une entité qui donnait une note au produit de 1 à 5. Et puis, pour les produits notés 5, eh bien, on pouvait négocier le prix. Pour les produits notés 3, 4, on baissait le prix. Bon, c'était pas... Et comment faisait-on pour négocier le prix? Eh bien, on prenait un prix de revient industriel. On demandait à l'industriel son prix de revient. Donc on lui disait, voilà, les matières premières, etc. Et puis il y avait des éléments forfaitaires. On disait, bon, au prix de fabrication, on va rajouter 10% pour la recherche, 10% pour le profit, 10% pour... voilà. Et puis on faisait comme ça, on construisait un prix selon ce qu'on appelait une grille de prix. On a abandonné ce système assez vite et on est passé au système actuel. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que c'est un système inflationniste. Si vous payez les coûts s'envolent. C'est-à-dire que vous doublez la surface de vos usines, vous multipliez par 4 les salaires, vous faites de la matière première qui est importée par vos filiales en Argentine, puis réimportée au Brésil, puis réimportée au Mexique, puis réimportée en Belgique, puis qui arrive en France, chaque fois avec des coûts de cession interne. Vous manipulez vos coûts, parce que vous avez des coûts de cession interne. Brusquement, les États-Unis commencent à facturer énormément la filiale française qui a des coûts qui explosent. Les contrôles sont impossibles. Vous allez contrôler la fabrication d'un médicament qui est fait dans des... On ne savait pas trop où, d'ailleurs. Il faut une grande coopération des groupes pharmaceutiques. Et puis, il y a un financement intra-firme pervers, puisque certaines firmes, par exemple, qui ont un produit, peuvent subventionner les autres avec beaucoup de voilà. Donc, au fond, on a tiré un bilan sur la base d'une expérience, hein, une expérience de 13 ans. On a tiré un bilan négatif et on s'est dit, au fond, la meilleure manière d'objectiver le prix, c'est de payer non pas le produit, mais de payer son effet. Au fond, le produit, on s'en fout, on s'en fiche. Ce qu'on achète, c'est pas un produit. Ce qu'on achète, c'est un service. Voilà, aujourd'hui, on parle un petit peu de... Vous savez, c'est la mode, le SaaS, hein, Software as Services. Eh bien, c'est Drug as Services. Le médicament n'est pas... ce qui nous compte, ce qui nous intéresse dans le médicament, c'est le service qu'il rend. Le médicament en tant que tel ne nous intéresse pas. Voilà. Donc, c'est un software, le médicament. C'est un peu comme, disons, la galette de plastique sur laquelle est enregistré un concerto de Mozart ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est le concerto. C'est l'immatériel. On est dans une économie de l'immatériel. Hein. On est dans une économie de l'immatériel. Pourquoi? Parce que ce qu'on paye, c'est essentiellement des droits de propriété intellectuelle. C'est essentiellement du brevet, c'est de la recherche, c'est de la création. Et donc, on ne paye pas de l'industrie, on paye de la recherche, on paye disons, je parle des médicaments innovants. Hein. Après, ça devient une commodité. Après, quand on rentre dans le générique, il n'y a plus de propriété intellectuelle, par définition, puisque elle est fixée, cette propriété s'épuise au bout de 20 ans, et donc on rentre dans la production d'un bien industriel, où là, le matériel compte.
Mais tant qu'on n'y est pas, on est dans une économie virtuelle, ou pas virtuelle, une économie réelle, mais une économie réelle portant sur des objets immatériels. On est en économie immatérielle dans le médicament. C'est-à-dire qu'il y a une forme, il y a une substance. D'ailleurs, c'est rien, c'est un peu, c'est, ça se présente sous la forme d'un liquide blanchâtre au bout d'une perfusion ou d'un petit comprimé de quelques milligrammes. Disons, le support matériel n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est son effet. Et le même support matériel peut avoir un effet bénéfique sur un patient, pas sur un autre, sur une pathologie. Il peut tuer certains patients, il peut guérir d'autres, etc. C'est vraiment l'effet qui est la même pilule. La même pilule peut avoir des effets extraordinairement différents. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'effet et pas le... Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu pour venir là-dessus. On a essayé donc d'établir des prix raisonnables de cette manière, donc c'était un échec. Il y a d'autres pays qui ont suivi des voies qui, moi, m'ont toujours un peu intéressé, mais bien sûr, aujourd'hui, c'est aussi contesté. Je vous laisserai les slides, hein, je vous en ferai cadeau avec très très volontiers. C'est la notion de profit raisonnable. En Grande-Bretagne, les Anglais ont toujours eu cette idée qu'au fond, un prix n'avait aucune importance et que c'était un moyen et pas une fin. Et que s'il fallait réguler quelque chose, c'était le profit des entreprises et non pas le prix. Bon, et que si le prix était cher, parce qu'il devait être cher, on le paye, pourvu que ça ne se traduise pas par des profits excessifs des entreprises. Et donc c'est une idée, comme les Anglais disent, « at arm's length », hein, à la longueur du bras. Je régule le fin et pas le moyen. Donc sachant que le médicament est gratuit pour tout, au point de délivrance, hein, gratuit pour tout patient, s'il fréquente une pharmacie NHS. Bon. Donc, il n'y a pas de problème d'accès. C'est plutôt un problème de rémunération. L'accès est résolu par la gratuité totale au point de délivrance, sans ticket modérateur, jusqu'à ce qu'on on réintroduise un forfait il y a quelques années. Mais disons, voilà. Donc, le problème d'accès étant résolu, reste la rémunération du producteur. D'ailleurs, c'est une démarche intéressante. Hein. Je liquide le problème d'accès en mettant tout gratuit et je m'intéresse au profit du producteur. Why not, hein, c'était plutôt smart pour speak English. Et donc ça a conduit d'ailleurs à des grands succès, hein, puisque l'Angleterre a dominé un peu le marché pharmaceutique européen avec Glaxo, avec SmithKline, avec Zeneca, etc. etc. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc la philosophie, hein, c'est profit cap and price cut. C'est-à-dire si les donc on cap les profits, hein, c'est-à-dire le taux de profit, non pas sur vente mais sur capital investi. Et si le laboratoire, à la fin de l'année, fait un profit excessif, mais il reverse à l'État, ce qui est d'ailleurs quelque chose qui nous a inspiré en France quand on a instauré l'ONDAM et l'objectif médicament, l'idée de reversement, à part que nous, ce n'était pas fixé sur le profit, c'était fixé sur les ventes, sur le chiffre d'affaires, ce qui est moins économiquement pertinent que fixé sur les ventes. En tout cas, sur le profit. En tout cas, voilà. Donc, il y a eu un fair rate of return. Prix libre introduction, c'est le laboratoire qui met son prix. On lui dit, OK, tu mets le prix que tu veux. Ce qu'on veut, tu ne fais pas plus de 9% de profit ou 9,5%. Et puis, si tu fais plus de 9%, tu nous reverses la différence parce que tu as fait un profit excessif. Ton prix était donc trop haut, non pas parce qu'il empêchait l'accès, mais ton prix était trop haut parce qu'il te donnait trop de profit. Et ça, c'est une philosophie complètement différente. L'accès, encore une fois, était résolu, a priori, par la gratuité intégrale au point de délivrance. Ça me paraissait intelligent, bon. Un rationnel fort et une grande facilité de mise en œuvre. Il y avait trois personnes. J'avais été, moi, à l'époque, au Pharmaceutical Industry Branch, au NHS. Il y avait trois personnes, des comptables, qui recevaient les états financiers, les Annual Financial Returns, AFR, et ils calculaient le machin, ils envoyaient une lettre. Nous avons calculé. On fait une déclaration, les firmes font une déclaration, comme une déclaration d'impôt, ou comme qui ressemblait un peu à la déclaration qu'on fait pour obtenir le crédit d'impôt recherche. Hein, le CIR. Donc et puis on calculait les profits, et puis on envoyait une lettre. Merci de me faire parvenir sous 15 jours les mesures qu'on comptait prendre pour ramener votre profitabilité dans les normes convenues. Voilà, tout ça dans le cadre d'un contrat, ça s'appelle le PPRS. Tout ça a été accusé très vite, et donc c'est très critiqué, ça a été critiqué en Angleterre. Ils vivent toujours là-dessus, hein. Aujourd'hui, c'est toujours comme ça que ça marche. Hein. Mais ça a été critiqué, alors je ne peux pas rentrer dans les détails, parce que ça devrait être trop long, mais on a accusé ce système de trop favoriser les groupes pharmaceutiques, parce qu'il y avait là aussi, il y avait l'idée de profit garanti. Parce que si vous étiez au-dessus du profit,
vous reversiez. Mais si vous étiez au-dessous du profit, rien ne vous empêchait d'augmenter et de vous ramener, si vous voulez, à la norme. C'est le problème avec les normes, si vous voulez. Hein. Si vous mettez une norme, vous aspirez vers le haut ceux qui sont au-dessous. Bon, vous rabotez ceux qui sont au-dessus, mais finalement, il y a ce problème. Bon, ça conduisait. Alors, bien sûr, comme c'était un taux de profit, plus j'investissais, plus mon taux de profit baissait, plus j'augmentais les prix. Il y avait une espèce de course. Donc, je pouvais créer des usines à foison, des laboratoires à foison. C'était des investissements. Mon taux de profit baissait. Ah ben, mon taux de profit baissait, donc mes prix remontent. Voilà. Donc, il y avait une espèce de mécanique un petit peu infernale qui avait été mise en place. Et donc, leçon de l'histoire, l'Office of Fair Trading recommande de passer au value-based pricing, passer à la tarification, au service rendu, au service mécanique rendu, ce que nous faisons en France depuis très longtemps. Il y a une petite revanche là des Français. Alors, c'est, encore une fois, ce n'est pas appliqué. Ça rentre doucement parce que les Anglais tiennent à cette histoire de PPRS. Ils l'ont amendé, le dernier PPRS 14-18, enfin 2014-2018, le PPRS 14-18 est un peu modifié. Bon, mais voilà, ça reste la philosophie de base. Voilà, et donc finalement, il y a une convergence en France après l'échec de la grille de prix, en Angleterre après l'échec du PPRS, enfin disons, pas échec, mais remise en cause du PPRS, en Allemagne après remise en cause de la liberté totale des prix, qui était là jusqu'il y a quelques années, très peu d'années, jusque dans les années 2004-2005, les Allemands étaient en liberté totale, avec simplement un système de générique très très puissant, l'échec au Danemark, la liberté totale, l'échec en Italie, où il y avait un système de corruption qui a été très, 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 très mis à mal par Manipulite. J'ai un collègue, que le ministre de la Santé, qui nous a envoyé une carte en disant qu'il était obligé d'interrompre provisoirement ses activités académiques parce qu'il était en prison, tout simplement. Et donc, au fond, il y a une espèce de convergence sur cette idée de dire, ce que je vous disais à l'instant, au fond, la meilleure chose, c'est de payer le service, parce que le service, on peut le mesurer, parce que le service, c'est la contrepartie du prix, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le service, pas la molécule. Et voilà, il y a plein de raisons. Et puis, parce qu'on fait ça dans la vie tous les jours. Vous n'achetez pas un bout de plastique, vous achetez le service. Bon, ça vaut 700 euros, 800 euros, ça coûte combien à fabriquer, personne ne le sait, personne n'en sait rien. Vous ne savez jamais quel est le prix de quelque chose que vous utilisez. Tout ce que vous savez, c'est est-ce que ça vaut le coup de payer le prix qu'on vous demande ou pas. Voilà. Donc, si ça ne vaut pas le coup, vous ne l'achetez pas. Si ça vaut le coup, vous l'achetez, sachant que vous êtes supposé être seulement informé pour que cette décision soit une décision claire. Et si vous n'êtes pas informé, il y a des organes publics qui sont capables de fournir l'information après évaluation pour vous substituer dans cette fonction d'évaluation. Voilà, en gros, le rationnel. Il y a un rationnel économique, simule les fractions de demande. Il y a un rationnel philosophique aussi, hein, pas de rationnement. C'est pas le système. Et bien sûr, il y a des développements possibles sur lesquels je vais revenir dans un instant. Tout ça pour dire que cette idée n'est pas comme ça tombée boum du ciel. Bon, j'entends des arguments stupides en disant est-ce qu'on tarifie l'airbag au coût de la vie sauvée? Oui. Il se trouve que oui. Il se trouve que j'ai étudié cet argument qui a été fait par un oncologue, c'est ami en plus, et célèbre, à la fois célèbre, ami et néanmoins, avec lequel je polémique parfois. Allez sur n'importe quel site et vous verrez que les airbags sont multipliés dans la voiture, qu'avant il y en avait un dans le volant, maintenant il y en a un pour le passager, un sur le côté, un pour le passager arrière, etc. Il y a 8 ou 9 airbags dans les voitures modernes, que le coût de l'airbag a explosé, et quand vous demandez aux fabricants automobiles pourquoi le coût de l'airbag a explosé, dites bah, « parce que ça sauve des vies ». Bah ouais. Et l'argument est d'une évidence telle que, si l'airbag sauve des vies, on est prêt à en mettre plein et à faire gagner plus d'argent aux fabricants d'airbags, même s'il y a certains fabricants japonais non, qui ont eu des problèmes avec les airbags. Voilà. Alors, je vais passer là-dessus parce qu'on n'est pas... Alors, juste insister sur un point, l'évaluation médico-économique n'est pas un outil de tarification. Hein. C'est-à-dire qu'on a développé ça en élargissant les missions de l'HAS, on a créé la CESP, etc. Et donc, elle fait l'évaluation médico-économique. Ce n'est pas un outil de tarification. Pourquoi ? D'abord parce que les mesures d'efficacité sont assez arbitraires. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait du poids libre pendant 30 ans, donc je sais à quel point c'est une mesure... L'idée, si vous voulez, que... Ça, c'est quelque chose aussi qui dans ce monde un peu positiviste de médecins et d'administratifs, où on pense, etc., bon, on ne voit pas la subtilité de la science économique, la subtilité de ces modèles économiques. C'est pas de la science. C'est une forme de science, mais ça n'a pas la rigueur, etc. On peut, disons, la souplesse des méthodes est beaucoup plus grande
que quand vous mesurez une réponse clinique ou une concentration plasmatique, etc. etc. Donc il y a une flexibilité des modèles. Il faut vraiment être dedans pour comprendre ça. Si vous voulez. Et donc dire il y aura d'une part des essais cliniques et d'autre part des essais médico-économiques, c'est mettre sur le même plan des choses dont l'épistémologie n'a strictement rien à voir. Rien à voir. De l'autre, on est un petit peu sur des choses mesurables, vérifiables, etc., d'une équipe à l'autre. De l'autre, vous changez l'équipe, vous changez les résultats. Enfin, faut être, bon, les hypothèses, combien la qualité de vie, combien ça rapporte en qualité de vie. Je suis un peu comme ça, toc, toc, je suis à 95 en qualité de vie, mais est-ce que je suis pas à 93, à 90, 89 les coefficients, ben, tout ça baigne dans une espèce de rationalisation. C'est mieux de le faire que de ne pas le faire, puisqu'on peut le faire, autant le faire, mais ne pas le prendre comme une espèce de vérité intangible, absolue. C'est un élément d'information qu'il faut voir de manière critique, de manière générale pour les études économiques. Hein, de manière générale pour les études économiques. Elle repose souvent sur des prémices, des hypothèses, des constructions, bon, des modèles, qu'on appelle les modèles. Bon, et donc, en plus, ces modèles, ça agrège beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Bon, donc, parfois, on n'en a pas, donc il faut des proxys. On utilise, bon. Donc voilà, tout ça, c'est des constructions intellectuelles, parfois brillants, parfois complexes, mais assez, qu'il ne faut pas, qui sont peut-être le mieux qu'on peut faire, mais qu'il ne faut pas assimiler à celle, à lui donner le même degré de fiabilité qu'à des études, elles-mêmes d'ailleurs parfois manipulables, disons qu'à des essais qui sont dans la vraie science, etc. Voilà, donc, et puis, si vous dites que le coût par quali, c'est quoi un coût par quali acceptable? Bon, c'est un coût par quali acceptable, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Ça veut dire quoi? Pourquoi 30 000? Pourquoi 30 000? Les Anglais disent 30 000 livres, pourquoi? Pourquoi pas de 45? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 100? L'OMS dit 3 fois le PIB par tête, donc 3 fois le PIB par tête, ça fait, je ne sais pas, 100 000 en France, 100 000, quelque chose comme ça. Bon, pourquoi? Donc, on est là dans l'arbitraire médico-administratif, hein, voilà. Je décide qu'une vie humaine. Alors, il y a un raisonnement derrière. Hein, et puis il y a ce sur quoi j'insiste beaucoup sur cette. C'est il y a surtout une philosophie. Il y a une technique. Bon, et puis il y a surtout une philosophie qui est une philosophie utilitariste. Les Anglais adhèrent massivement à cette philosophie utilitariste depuis longtemps. Ils l'assument. Hein, mes collègues l'assument. Mes collègues anglais l'assument. Ils disent au fond, voilà, il vaut mieux. Si je supprime Katsila ou une drogue chère à madame que je connais, hein, il y a la dame, elle est dans son lit, elle a un cancer du sein métastatique, 2 ans d'espérance de vie, le médicament va lui donner 6 mois de plus. Il y a le médicament est là, mais je dis qu'il est trop cher pour lui donner. Donc, au fond, elle va perdre 6 mois, mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Grâce à l'argent économisé par ce produit, je vais pouvoir traiter 5, 10, 15 enfants des quartiers défavorisés, et puis 10 enfants sauvés, moins une personne perdue. L'addition est positive, je le fais. Non seulement je le fais, mais ce serait immoral de ne pas le faire. Dans une morale utilitariste. Ce serait immoral de ne pas le faire parce qu'on déprécierait l'intérêt collectif au profit d'un intérêt individuel. La Madame Michu, dans son lit, qui va recevoir et le produit qui va vivre 6 mois de plus, elle va, de ce fait, causer la mort de... et donc, c'est immoral. C'est immoral. C'est pas que c'est pas bien. C'est que c'est... On est dans à cette morale-là, qui est une morale, s'oppose une autre morale, qui est un peu la nôtre, qui est la morale du droit au traitement, et qui est une morale individuelle. Et la devise française, depuis la sécurité sociale, a toujours été ça, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et donc, si j'ai besoin d'un traitement, je le reçois, c'est un droit quasi-constitutionnel. On se débrouille pour le payer. On verra ça, on se débrouille, on pèlera sur les riches, hein, de chacun selon ses besoins, l'administration réglera les prix, on fera plein de choses. On fera plein de choses, mais à the end of the day, le patient aura son traitement, et s'il ne l'a pas, eh bien, c'est une violation du contrat constitutionnel. C'est une violation, pourquoi? Parce que il a... Et ceci va même jusque... peut-être que je vais devenir finalement défenseur de ça. Ça va jusque au fondement même du financement, puisque nous avons un financement dit contributif, où les gens payent pour la sécurité sociale. Autrement dit, ils ont payé, ils ont droit, alors que les Anglais n'ont pas à payer. Les Anglais ne payent pas de cotisation sociale. Les Anglais n'ont pas de financement contributif, ils paient des impôts, bon, comme tout le monde. Bon. Et donc, il n'y a pas cette idée d'acquérir par la cotisation contributive un droit à une prestation de... voilà. Donc, on est dans deux univers assez, assez différents. Voilà. Deux, trois données. Les industriels, le modèle d'innovation... Alors,
troisième partie, un petit peu quelques slides sur l'innovation. Donc j'ai repris des études, c'est fait par Bloomberg, ça, qui s'est amusé à capitaliser les études, les dépenses de R&D et le nombre de drogues approuvées. En fait, la recherche pharmaceutique est assez peu productive. Vous dépensez beaucoup d'argent pour trouver peu de médicaments. Donc finalement, on dépense beaucoup d'argent pour trouver peu de médicaments. Et donc, il n'y a pas beaucoup de corrélation entre la somme que je dépense et le nombre de médicaments. Bon, une petite, mais faible. Pourquoi ? Parce que ça dépend, est-ce que je suis sur un bon créneau, est-ce qu'il y a eu des progrès scientifiques, est-ce qu'il y a eu des avancées dans la science fondamentale. Et finalement, on a mis beaucoup d'argent dans le sida, par exemple, dans le VIH pour le vaccin, on n'a pas trouvé parce qu'on n'a pas trouvé. Bon, on ne trouve pas de nouvel antibiotique, peut-être qu'il va en avoir parce qu'il n'y a pas de science. Bon, donc si on peut dépenser tant qu'on veut, s'il n'y a pas de science, ça ne marchera pas. Et puis s'il y a de la science, ça peut aller très vite, au contraire, avec des investissements relativement faibles. Donc voilà, il n'y a pas de corrélation et ça coûte finalement la vision. C'est pour ça que dire on va comptabiliser, etc., c'est plus compliqué que ça, comme souvent. Et vous avez des entreprises qui ont été très productives, à Bott, et puis des entreprises très peu productives, certaines qu'on connaît assez bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un objectif des firmes, c'est d'accroître la rentabilité, la productivité de la recherche. Hein. Productivité de la recherche. Trouver plus avec des mêmes moyens. Comment fait-on ? Le principal moyen qu'ont trouvé les co-pharmaceutiques pour trouver plus en dépensant moins, c'est de externaliser la recherche. C'est-à-dire de dire, au fond, plutôt que de payer à temps plein des chercheurs qui cherchent et qui ne trouvent pas, comme vous savez, vous connaissez la fameuse formule du général de Gaulle, les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Donc, bon, c'est une formule drôle, mais elle n'est pas très juste. Hein. Voilà, donc plutôt que de prendre le risque, on laisse des start-up essuyer les plâtres, disparaître, naître, des fonds d'investissement perdre de l'argent dans des projets, et puis une fois que le projet est un peu mûr, hop, on le rachète et on le développe. Donc on externalise. Les laboratoires pharmaceutiques deviennent de plus en plus des firmes virtuelles, en ayant externalisé leur production, en externalisant la recherche, en externalisant tout ce qu'on peut externaliser. Ça, c'est une tendance de toute l'industrie, pas simplement de la pharmacie, mais de toute l'industrie, se centrer sur son cœur de métier. Son cœur de métier, c'est quoi ? C'est le médico-marketing, je dirais rapidement, c'est-à-dire trouver les besoins. Quel est le médicament dont la communauté a besoin ? Et aller chercher dans le spectre des petites entreprises celle qui est capable de fournir le médicament qui a un potentiel parce qu'il correspond à une demande explicite ou non, disons, de la communauté médicale. Voilà, c'est un petit peu ça. Après, on se débrouille. On se débrouillera pour le développer, on se débrouillera pour le fabriquer, on se débrouillera pour le vendre, on se débrouillera pour l'enregistrer, mais il faut le trouver, et c'est ça un petit peu, le cœur du métier. Donc, outsourcer la recherche clinique, délocaliser les essais, ça maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup d'essais qui se font en Europe de l'Est, il y a plein d'excellents médecins et pour des coûts qui sont très très inférieurs, équilibrer les risques et les non-risques, hein, développer des produits sans risque, ça rapporte peu. Alors ça, c'est une stratégie qui, vu payer, ça paye un peu moins, parce qu'aujourd'hui, on dégrade beaucoup. Au contraire, si vous voulez, la polarisation sur l'innovation, la grande, fait qu'on ne paye plus vraiment les MeToo, etc. Il y a une espèce de on va le voir aussi dans un instant. Voilà. Et puis arrêter très tôt. Ça, c'est un nouveau modèle. C'est-à-dire que the proof of concept, c'est une chose qu'on ne parlait pas dans les années 90, la proof of concept devient essentielle. Hein. Est-ce que j'ai une preuve de concept ? Il vaut mieux arrêter tôt que tard. Hein. Si j'arrête tôt, au moins, je reperdrai. Bon, les équipes ne sont pas démoralisées. Bon, on a fait un projet, etc. Si je laisse les gens travailler 7-8 ans sur des trucs, préparer, dépenser beaucoup d'argent, y croire, et brusquement je dis j'arrête, c'est très très mauvais pour l'entreprise, parce qu'on démoralise les gens, etc. Quand GSK a arrêté ses recherches en oncologie, la moitié de la firme a déprimé. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, etc. On nous enlève notre raison de vivre. C'est-à-dire que les gens travaillent aussi pour ça, hein, pour faire aboutir des jolis projets et pas simplement pour gagner leur vie. Ce que vous montre la figure à gauche, à droite de la slide, à gauche pour moi, à droite pour vous, c'est le fait que il y a plus de probabilité de succès avec une molécule achetée qu'avec une molécule
trouvés en interne. Quelquefois, même, il y a une histoire, il y a un laboratoire, on a trouvé un truc, donc le laboratoire se dit, bon, on a un chef de la recherche, le chef de la recherche est au board, etc. On ne va pas le désavouer, donc on conduit des projets, et finalement, ça a été très fréquent, ça, y compris en France, peut-être même surtout en France. Voilà. Donc, alors, ce qui est vrai en revanche, c'est que ce modèle implique l'engagement des fonds d'investissement dans la recherche fondamentale et très tôt. Et là, j'ai pris par exemple une société bien connue de biotech, cotée au Nasdaq. Les institutionnels, c'est-à-dire assurances, banques, investisseurs, détiennent 87,36% du capital. Et c'est qui ces capitales? C'est PrimeCap, c'est Vanguard. Vanguard Group est un énorme, c'est le plus gros fonds d'investissement américain, qui a une partie. Alors il investit, il est chez Google, il est chez Amazon, etc. Hein. Pour eux, les biologies et les nouvelles technologies, c'est pareil. C'est le monde de l'innovation, c'est le monde de demain, c'est les nouvelles technologies, c'est la numérisation, etc. Il n'a pas cette différence ontologique que nous faisons entre la santé, c'est sacré, et puis le reste, c'est pas sacré. Non, c'est les nouvelles technologies, le nouveau monde qui émerge, et donc c'est les mêmes qui sont dans les deux secteurs. Et ils appliquent les mêmes trucs. Et donc finalement, donc on est financé par des levées de fonds auprès d'investisseurs. Ces investisseurs sont les mêmes que dans les nouvelles technologies numériques. Il y a des fonds qui sont très spéculatifs, il y a des fonds qui ne sont pas spéculatifs. Si vous prenez le fameux fonds CalPEX des employés publics de Californie. La Californie, c'est un PIB presque gros comme la France. La retraite, c'est énorme. C'est un fonds très conservateur, très très conservateur, parce qu'il a les retraites de ses agents, donc il ne prend pas de risques. Mais ils ont des surfaces tellement énormes financièrement que s'ils consacrent 5 ou 6 ou 10% de leur levée de fonds elle-même à des secteurs un peu risqués, ça suffit pour bouleverser l'économie de ces secteurs compte tenu de la masse financière. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça existe. Et la sortie de ces entreprises, c'est soit la bourse, les IPO, hein, l'introduction en bourse, soit la vente à une big pharma. Et ça, c'est vrai que ce modèle-là, si vous voulez, s'est développé de manière concomitante avec l'émergence de la nouvelle économie numérique, etc. Et donc, on en connaît un qui est le pharmaceut. Un pharmaceut, c'est typiquement ça. Hein, c'est la molécule à l'origine de Sovaldi. Hein, donc, vous connaissez l'histoire. Donc, pharmaceut, deux universitaires, Shinasi et Liotta, connus dans le milieu, notamment dans le milieu du VIH, parce que c'est des spécialistes des rétroviraux depuis longtemps. Hein. Ils ont travaillé avec Gallo, etc. C'est des universitaires, c'est des sérieux, hein. c'est pas des qui ont développé, donc, et voilà, une entreprise fondée en 98 et 13 ans plus tard, en 2011, chiffre d'affaires zéro. Elles ont vécu 13 ans faisant vivre 80 personnes par des levées de fonds. Et finalement, ça se spécialisait dans les traitements antiviraux. Une molécule qui est un peu prometteuse, vendue 11 milliards de dollars à Gilead, qui l'achète en phase 2B et qui la développe et qui la vend à l'échelle mondiale en faisant le succès que vous connaissez. Et qui dit, on a pris un risque. Mais voilà, on a gagné. Hein. On a fait, c'est a gambit. Et donc, effectivement, et à l'époque, c'était pas évident, parce que vous trouvez sur Internet tout le dossier, hein, vous tapez ce machin, et vous trouvez les citations des gens de l'époque. Gilead is paying too much, paying all in cash, borrowing money to do it, diluting earnings for 3 or more years. C'est-à-dire qu'en plus, ils ont payé en cash. Hein. Ils n'ont pas payé par action. Ils n'ont pas donné des actions de Gilead. Ils ont donné de l'argent. Mes deux universitaires, ils ont pris 11 milliards pour eux. Et ils ont même distribué pas mal de... Ils n'ont pris pas 11 milliards, oui. Enfin, et les gens, les salariés, les 80 salariés ont fait fortune. Ils ont fait fortune sur l'ensemble des gens. Ils ont payé... Ça a été distribué en interne. C'est une histoire... La secrétaire a pu s'acheter une maison en Floride avec piscine. Voilà. C'était une histoire assez... Est-ce que c'est reproductible? À ce niveau-là, je ne sais pas. Il y a un côté modèle, et puis dans le modèle qui existe, il y a cette exacerbation du modèle. Hein. Il y a un modèle... Et puis un cas particulier qui, en quelque sorte, est au-delà du modèle routinier. Hein, mais c'est effectivement une histoire. Ça.
Alors, si je regarde, ça c'est une slide secrète, donc mais pas tellement secrète, puisque c'est l'IMS qui l'a publiée. Et donc si on regarde la profit des groupes pharmaceutiques, c'est un sujet toujours très, 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 très chaud, on voit que, disons, c'est extraordinairement variable. C'est ça un petit peu. Alors, si vous voyez, c'est une décomposition operating margins, donc c'est la bande bleue, et donc ça peut aller dans le cas de Gilead jusqu'à 60%, et puis dans le cas d'AZ jusqu'à moins de 6%. Et puis les autres coûts, donc R&D, Sales, General and Administration Cost, et puis Cost of Goods. Cost of Goods, c'est le coût de matières premières et de fabrication des... Voilà. Et donc, alors, mon collègue Murray Aitken, qui est un Américain smart, d'ailleurs pas Américain, néo-zélandais, enfin, il vit aux États-Unis, quand il montre ça aux États-Unis, le scandale, ce n'est pas les entreprises sur la gauche de la slide, c'est les entreprises sur la droite de la slide. C'est les gens qui disent, mais non, ce n'est pas vrai, on est plus profitable que ça, on n'est pas les minables de la classe, etc. Et puis, vous allez voir l'année prochaine, on a un nouveau produit, on va remonter dans les... En France, on se folarise sur la gauche en disant, hey, ils gagnent plein d'argent. Aux États-Unis, on se polarise sur la droite en disant c'est des nuls, ils n'ont pas de produits, ça. Donc, voilà. Et donc il y a cette. Alors après, on pourrait dire beaucoup de choses sur ce slide. Comment? Non, il y a Roche, c'est la Big Pharma, hein, c'est tout la Big Pharma. Big Pharma d'ailleurs avec des nouveaux entrants, parce que Gilead, Biogen, Amgen, AbbVie n'existaient pas. Hein. Bon, ce sont des entreprises qui n'existaient pas il y a encore quelques années, et donc il y a un renouvellement de ce... Voilà, et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que si on fait sur le 2010-2015, tout est corrélé. C'est-à-dire, ce que je fais en profit, ce que j'investis en R&D, quand j'ai de l'argent, je fais tout. Et quand j'ai pas d'argent, je fais rien. C'est un peu ça aussi qu'il faut comprendre du point de vue de la logique économique. En opposant, ils font 10% de recherche, mais ils font 15% de commerce, etc. Dans une firme, quand vous êtes dans une firme, quand l'argent arrive, vous faites tout. Vous faites de la recherche, vous faites du commerce, vous sponsorisez des œuvres d'art, vous faites vous faites du sponsoring, vous faites tout. Quand il n'y a pas d'argent, vous ne faites rien. Et puis vous distribuez aux actionnaires, et puis quand vous avez d'argent, et puis que ça va arriver, et puis etc., vous sentez le roi du monde, vous y allez. Et donc là, ce qu'on voit, c'est la très belle corrélation faite par Murray entre, disons, les différentes les ventes, quand les ventes augmentent et les profits rentrent, eh bien, vous faites de la R&D un peu plus, vous faites... Ça ne veut pas dire que vous allez trouver, hein. Mais vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas un financier qui dit que vous n'allez pas mettre machin parce qu'il y a de l'argent, donc allez, on joue, et puis on verra bien, et puis bon, et puis l'économie se renouvelle, et puis c'est un jeu répété, et puis il n'y a rien qui est stable, et tout évolue, et puis voilà, quoi. Voilà. Bon, France, États-Unis, ça, j'ai passé. Ce qui est un peu choquant, c'est qu'on utilise beaucoup dans le débat des arguments propres aux États-Unis, mais pas propres à la France. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui a été publié aussi par Bloomberg, qui est les augmentations de prix aux États-Unis, et notamment le fameux daraprine, vous savez, ce médicament qui a été multiplié, le prix a été multiplié par 5 500%. Et avec le type qui est devenu Scalzi, là, Martin Shkreli, qui est devenu à propos de qui les candidats du débat américain se sont... Parce qu'il a racheté une firme, il a multiplié par un médicament orphelin qui traînait dans un portefeuille dont on ne voulait pas, il a multiplié par 5 500. Bon. Mais aucun... Mais en France, c'est pas possible. En France, aucun médicament n'a son prix augmenté. Quand on dit les prix augmentent, Je vois ça sur les laboratoires augmentent leur prix. Non, le prix, on peut dire que le prix est élevé à la production, mais jamais qu'il n'augmente. Il y a une différence entre niveau et dynamique. Hein. Le prix peut être élevé, cher, mais jamais augmenté, parce que les prix en France diminuent sur une pente assez forte très vite. Voilà. Financement de l'innovation, je passe, j'accélère. La baisse des prix ne résoudra pas seule la question de l'accès. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre... Et là, il y a un précédent sur un autre problème que vous connaissez bien. Par exemple, c'est le problème du VIH en Afrique. Hein. C'est-à-dire que vous baissez les prix, mais il faut encore qu'il y ait du financement. Même à prix bas. Même pour les prix bas. Vous divisez par 4 ou 5 le machin, il faut quand même trouver des financements, des circuits de financement, il faut des organisations, vous ne résolvez pas. C'est vrai que ça aide, mais c'est vrai que ce n'est pas la solution à elle seule. Voilà. Des nouveaux pistes
des nouvelles pistes à explorer, des nouveaux schémas de tarification, l'optimisation de l'usage du médicament à court terme, la capitalisation des effets dans le temps et l'espace, j'y reviendrai, la sanctuarisation par des enveloppes dédiées, ça existe, il y a l'enveloppe W, il y a le Cancer Drug Fund en Angleterre, il y a une tentation de dire on va faire un budget pour, pourquoi pas, ça rassure politiquement, hein, on dit ça va pas exploser puisqu'on l'a cadré. C'est peut-être pas très malin, parce que c'est quand même une mesure assez brutale, c'est pas très de beaucoup de créativité, mais au moins l'enveloppe W a eu ce mérite, au moins, de rassurer, puisqu'il y a une enveloppe, donc on sait où on va, on sera pas débordé, on risque pas de devoir ponctionner les fonds, voilà. Donc il y a un côté de, voilà, de politiquement, le message est ça. Et donc, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, les Anglais, sur l'ensemble du cancer. Je sais qu'on parle en France de faire aussi un équivalent d'un fonds pour les médicaments innovants dans le cancer, puis ils font concurrence entre eux. Bon, encore une fois, c'est pas très malin, mais c'est efficace politiquement. Comment aujourd'hui finance-t-on le médicament? Si je regarde Sovaldi, c'est par des économies sur le médicament. Je vais publier ça, il faut que je l'affine un petit peu, en combinant le budget ville de l'assurance maladie. Le budget ville de l'assurance maladie, il paye trois choses. Il paye le médicament de ville, il paye le médicament vendu dans l'officine, mais prescrit par les médecins hospitaliers, hein, ce qu'on appelle le PHM, hein, prescription hospitalière exécutée en ville, et puis ils payent la rétrocession, c'est-à-dire les médicaments donnés, administrés à des patients à l'hôpital, non hospitalisés, et qui est remboursé par la ville. Donc ils payent le tout. Alors vous voyez là que... Et donc Sovaldi et tous les autres traitements d'hépatite C étaient dans cette enveloppe des traitements rétrocédés. Donc c'est vrai qu'entre 2013 et 2014, ça a augmenté d'un milliard. Mais la dépense totale, après avoir augmenté un peu en 2014, a baissé. Et qu'est-ce qui a baissé? C'est qu'on a fait baisser, on a baissé le prix des médicaments officinaux, et avec un 550 millions, et puis j'ai vu là que dans la PLFSS 2017, il y aurait encore un train de baisse. Donc finalement, là aussi, à the end of the day, on a pratiquement absorbé le Sovaldi dans le cadre d'un budget médicament qui est resté ville, qui est resté à peu près comptable. Le Sovaldi n'ayant pas d'impact sur l'hôpital, contrairement à ce qu'on dit, puisque précisément c'est pas un médicament hospitalier, c'est un médicament qui est remboursé aux hôpitaux par le régime général, enfin disons par la caisse du régime obligatoire. Donc on est, voilà, donc, et faut-il s'étonner, je m'étonne qu'on s'étonne, puisque la ministre a dit politique, stabilité de la dépense remboursée. Donc c'est un objectif politique affiché, et donc il y a... elle fait un peu mieux, elle fait la risque, mais la stabilité de la dépense médicament remboursée est un objectif politique, et quand vous interrogez le directeur de la sécurité sociale, il dira, ben moi, j'applique la loi, mes directives, stabilité de la dépense remboursée. Donc finalement, on a financé par le médicament l'innovation médicamenteuse. Est-ce que c'est très sain? Pas forcément, parce qu'à un moment, on ne peut pas... Donc, il faut peut-être faire preuve d'autres idées. Donc, il y a plein... Alors, après, s'il faut regarder, toute innovation n'est pas égale. Des innovations qui sont des guérisons, des innovations qui sont des chronicisations. Et voilà, il faut regarder un petit peu. Quand c'est la guérison, on investit maintenant dans des économies futures. Donc, c'est un problème de décalage dans le temps. Récupérer dans le futur de quoi financer aujourd'hui. Quand c'est au contraire de la chronicisation, c'est autre chose, un problème de vérification, peut-être d'indication. C'est aussi beaucoup un problème de parcours de soins, parce que si vous êtes dans le chronique, vous êtes dans le parcours de soins. Donc là, peut-être qu'il faut voir... Dans la guérison, c'est le problème du temps, dans le parcours de soins, dans la chronicisation, c'est le problème du parcours de soins. Donc il faut avoir des schémas qui sont relativement adaptés à ce type de choses. Il faut faire preuve un petit peu de créativité. Il faut bien sûr contrôler les prix. D'ailleurs, personne n'a jamais dit qu'il fallait pas contrôler, y compris les industriels. Il ne faut pas tout attendre du contrôle des prix, et il faut surtout se préparer à se mettre en ordre de bataille pour pouvoir absorber. Et je suis très optimiste, hein. Je pense qu'on l'a fait, on l'a fait dans la période des années 80, on l'a fait dans les années 2000 quand sont arrivées les thérapies ciblées, Herceptin, Avastin à l'époque, c'était très cher. On le fera là, avec les mêmes méthodes, contrôle des prix, schéma innovatif, arrivée des biosimilaires qui entraînent des économies, modification des comportements et puis d'autres schémas de tarification. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu long, mais il y a beaucoup de choses à évoquer.